Bonjour. Alors aujourd'hui, on va regarder comment se connecter à un serveur MySQL ou MariaDB avec un programme écrit en Java. Alors, donc pour la manip, là, on a besoin d'avoir un serveur MySQL qui fonctionne. Il faut connaître les codes d'accès à ce serveur MySQL. Il faut également avoir le connecteur Java qui permet d'accéder à MySQL. Moi, sur ma machine, ce connecteur, il est installé dans C standalone Java Lib. Et voilà, donc c'est le connecteur 5.1.45. On en aura besoin tout à l'heure. Hein. Ensuite, au niveau du source, je ne vais pas tout retaper à la main. Donc j'ai un fichier version.java qui permet de connaître la version d'un serveur MySQL auquel on s'est connecté. Donc ce fichier, cette classe version, elle est dans un package, donc fr.cfi.demo. Donc maintenant, ce qu'on va regarder, c'est comment paramétrer notre application Java sous NetBeans afin d'accéder à notre serveur de base de données. Donc la première chose qu'on va faire, c'est on va créer une nouvelle application Java. Voilà. Là, on va l'appeler comment? Là, on va l'appeler vers version. Moi, je crée toujours mes applications donc dans un dossier qui s'appelle cDemo. La main classe, on va la créer. Alors, on va lui mettre en préfixe le nom de notre package, donc fr.cfi.demo. Et donc, on crée notre classe. Donc, voilà. Donc, ici, on a notre version, hein, notre classe version avec notre package. Alors nous, ce qu'on va faire, plutôt que de tout retaper, donc je récupère mon exemple. Donc je copie tout ici et je colle tout. Donc voilà. Donc j'ai mon, je suis bien dans le bon package. Ça s'appelle bien version. Pour la forme, je fais un petit run. Hein. Ça peut encore marcher, mais on va voir ce que ça donne. Donc voilà. Donc là, ce qu'il me dit, c'est on a un problème de driver pour ici essayer de se connecter. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est on va rajouter parmi les bibliothèques. Là, je fais un clic droit, on va aller rajouter le jar qui contient, donc, qui est situé sur mon PC dans C standalone JavaLib. Donc, on va rajouter ce jar-là qui contient donc le code qui est nécessaire à la connexion à serveur MySQL. On va ouvrir. Donc voilà, donc la bibliothèque elle est là. Hein. Alors maintenant, si j'essaie à nouveau de relancer, je vais avoir toujours une erreur, mais plus le même type d'erreur. Alors voilà, il me dit qu'il y a un problème de link failure. Alors voilà. Bon, il y a eu un timeout. En gros, on a essayé de se connecter, on n'a pas précisé l'hôte, ni user, ni password. C'est un peu compliqué pour réussir à se connecter. Alors nous, notre connexion elle se fait vers un serveur. Donc moi pour le TP. Donc ça c'est l'adresse IP du serveur. L'utilisateur c'est Bobby et son mot de passe c'est Oki Oki. Voilà. Donc là on a l'hôte, le port. Donc ça c'est le port par défaut 3306. Ça c'est donc l'URL qu'on fournit au driver. SQL de Java pour pouvoir se connecter, hein. Donc l'URL, user, password. Et si tout se passe bien, on va faire un select version donc pour avoir la version de notre serveur. Donc on va réessayer de faire fonctionner ça. Donc là, voilà. Et là, au miracle, donc on a ici le texte version qui s'affiche, suivi du résultat de cette requête SQL, donc qui m'indique la version de mon serveur MariaDB. Au niveau du code, bon, alors après évidemment, si admettons on fait une faute de frappe, au lieu de taper Bobby, on tape par exemple Gunnarsson, c'est une petite faute de frappe. Hein. Si on essaie de relancer, voilà, on va avoir une erreur. Alors comme on n'a pas géré ça comme des cochons, on va récupérer donc un message. Donc là où on nous dit access denied for le user, donc accès impossible pour Gunnarsson. Et donc l'adresse IP qui est ici, hein, évidemment, ce n'est pas l'adresse IP du serveur, c'est l'adresse IP de notre machine, hein, à partir de laquelle on cherche à se connecter. Donc moi, mon ordi, là, il est en 0.46. Et donc l'utilisateur Gunnarsson,
il n'a pas le droit de se connecter à notre base de données, à notre serveur de données. Il n'y a pas d'utilisateur. Donc, on va réessayer avec Bobby pour la forme. Et donc, voilà, en se connectant avec Bobby et bon mot de passe, on obtient les informations. On a donc réussi à créer notre programme en Java, qui utilise le jar donc de connexion à MySQL. Et donc ceci de manière distante, hein, donc c'est pas un poste, on n'est pas en local, et on a réussi à obtenir une première information donc de notre serveur MariaDB. Ceci à partir de, je vais y arriver, à partir de notre programme écrit en Java. Donc on est super content, on a tout réussi. Donc sur ce, je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.